Vous est-il arrivé de marcher dans la rue et de vous retrouver pris dans une toile d'araignée? Alors même que parfois ceux qui cheminent auprès de vous n'ont rien vécu de cela. Alors si oui, ce n'est pas un fait anodin. Bonjour chers internautes, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, je vous exhorte à vous abonner en cliquant aussi sur la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines publications. En fait, se faire prendre régulièrement dans les toiles d'araignée, dans la rue, a une incidence spirituelle. Il faut comprendre que c'est l'un de nombreux signes qui indiquent que vous êtes la cible de nombreuses personnes, notamment les sorciers. Les attaques des toiles d'araignée font partie de l'arsenal de la sorcellerie et des puissances des eaux. La sorcellerie utilise ce moyen juste pour détruire les personnes, pour détruire les lieux, pour vous couvrir de la désolation en fait. Ces pouvoirs diaboliques se mettent en contact avec leurs victimes dans leurs rêves, mais aussi dans le monde physique. Les toiles d'araignée s'installent dans vos maisons, dans vos voitures, devant votre porte, à l'intérieur de vos maisons. Parfois, l'attaque est dirigée vers vous et même contre votre descendance. Donc, ces pouvoirs s'opposent à votre destinée et le but principal, c'est de vous empêcher à aller de l'avant. Par exemple, des fiancés pourraient se rendre compte de la présence des toiles d'araignée sur leurs affaires dès le moment où la décision de se marier est prise. Ou alors, un homme d'affaires pourrait voir en rêve ses dossiers ou son bureau couvert de toiles d'araignée. Certaines personnes aussi se plaignent de sentir la présence invisible de toiles d'araignée dans leurs cheveux ou sur leur visage. Donc les sorciers, ils utilisent ces moyens pour vous manipuler afin de faire de mauvais choix de partenaire ou de vie. Ils travaillent à vous rendre votre destinée inutile, voilà. Donc leur objectif, c'est de faire de votre vie un endroit désert. Où là, donc passer dans les toiles d'araignée, ces pouvoirs méchants utilisent l'âme des toiles d'araignée pour faire dévier les bonnes choses de votre chemin. Et vous poussent à sortir des voies du succès pour vous conduire vers un chemin du désastre et du regret. Donc, par moment, vous allez comprendre que lorsque vous commencez par passer dans les toiles d'araignée, vous allez commencer par faire de mauvais choix de partenaires d'affaires. Ils créent la confusion en vous et posent des embargos pour vous empêcher d'avancer, de progresser. Vous allez comprendre que si vous commencez par passer dans les toiles d'araignée ou bien vous commencez par avoir la présence des toiles d'araignée dans vos figures, sur votre chemin, vous allez commencer par constater que vous avez des régressions. Vous aurez des échecs répétés. Il y a la haine qui vous entoure, il y a le manque de faveur, personne pour vous aider. Il y a les bonnes affaires qui vous fuient, les projets qui avortent. Il y a le revers de la fortune, si c'est que financièrement vous étiez un peu stable et que vous commencez par rentrer dans les toiles d'araignée, vous avez des revers de la fortune.
Il y a aussi les retards dans les bonnes choses, comme le mariage, voilà. Tant que vous passez dans l'étoile d'araignée, vous n'aurez pas de changement. Il y a les déceptions répétées. Vous aurez aussi les non-accomplissements. Dès que vous programmez quelque chose, ça ne va jamais marcher. Il y aura des promesses non tenues, des rejets, des maladies, parfois même la stérilité. Et il faut nécessairement trouver une solution. Soit vous mettez à faire vos prières de façon quotidienne, soit nous allons vous donner une astuce, cette astuce qui va vous permettre quand même de remédier à tous ces blocages. Voilà. Donc, nous allons rapidement vous livrer l'astuce qui est juste composée de trois ingrédients, donc facile à faire. Et ces trois ingrédients, c'est quoi déjà? Nous avons la feuille de Arjomam Mexicana, la feuille là. Donc, vous prenez cette plante, vous achetez aussi trois cocos mûrs. Vous achetez trois cocos mûrs et aussi du savon. Vous pouvez râper le savon tout comme vous pouvez acheter nos savons traditionnels. Voilà. Donc, vous prenez la plante, vous irez chercher la plante. Vous prenez la plante, vous essayez de voir un endroit où se situe ou bien se trouve l'étoile d'araignée. Voilà. Un endroit où se trouve l'étoile d'araignée. Et alors, vous passez cette plante dans la toile d'araignée. Vous passez la plante dedans. Vous passez la plante dedans, dans la toile d'araignée, comme vous le voyez déjà. Vous passez la plante dedans. Voilà. Et quand vous finissez de passer la plante dans l'étoile d'araignée, alors vous déposez la plante dans un mortier que vous pilez. Vous déposez dans un mortier que vous pilez bien pour avoir une pâte. Alors, si vous pilez bien, vous allez prendre la pâte pour renverser sur le savon. Voilà, vous allez mettre la pâte obtenue sur le savon et ensuite casser les trois cocos pour recueillir l'eau des trois cocos sur le savon. Vous cassez les trois cocos que vous allez recueillir l'eau sur le savon et en fait maintenant remuez tout ce mélange. Vous allez bien remuer tout ce mélange. Et alors, votre savon est prêt. Votre savon est prêt. Ce savon, comment vous allez l'utiliser? C'est un savon avec lequel vous allez vous laver pendant 16 jours de façon consécutive. 16 jours de façon consécutive et conseillé au coucher. Voilà, le savon est conseillé au coucher. Pendant 16 jours de bain, de façon consécutive, voilà un peu. Donc, voilà l'astuce. C'est pas compliqué. Il y a la feuille d'Arjomam Mexicana et les trois cocos et le savon. On vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner
N'oubliez pas aussi de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos ou nos prochaines publications.